Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Je suis très très heureuse de vous retrouver comme tous les lundis dans votre émission hebdomadaire de développement personnel, de bien-être et de la pensée positive, éclairage et réflexion. Nous sommes en direct jusqu'à midi sur les ondes de Radio Soleil avec coach Fédois au micro et Hamid à la régie. Place au sujet du jour. Il peut arriver aux parents de se sentir frustrés ou désemparés face à l'éducation de leurs enfants. Pour ne pas être obligés de recourir à la fessée et à des punitions plus graves, certains se permettent de crier après leurs enfants en pensant leur faire entendre raison. Et puis d'autres parents crient sur leurs enfants par impatience, à cause du stress qu'ils ramènent parfois du boulot, ou leur propre colère et frustration quand ils ont des soucis de couple, des soucis familiaux, professionnels ou autres. Ils déversent alors sur leurs enfants leurs émotions, même si ceux-ci n'ont pas fait de bêtises, ou du moins pas de grosses bêtises. Cependant, les médecins révèlent que hurler régulièrement après un enfant peut lui causer des dommages permanents, voire des conséquences sur son estime personnelle. Alors pourquoi les parents réagissent ainsi? Qu'est-ce qui nous empêche d'être, excusez-moi, le parent bienveillant? Quel est l'impact des cris sur l'enfant et le futur adulte qu'il sera? Quelle est la meilleure méthode d'approche pour se faire obéir sans agressivité? Ce sont les questions sur lesquelles nous allons apporter notre éclairage ce matin avec mon invitée, Madame Agnès Piccini, psychologue d'enfants et d'adolescents, psychopédagogue et spécialisée en thérapie familiale. Nous accueillons vos questions et vos témoignages en direct sur le 01 43 48 43 43. Ne ratez pas cette occasion pour poser toutes vos questions, les questions qui vous taraudent sur l'éducation des enfants, à notre spécialiste Agnès Piccini. Je vous rappelle que les valeurs de l'émission sont le partage, la bienveillance et le non-jugement. Et si vous préférez nous écrire, vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook Radio Soleil France et coach Fédois Elkabsi. Lors d'un dîner, un des invités renverse son verre et tâche la belle nappe sortie spécialement pour cette occasion. Qui d'entre vous oserait s'emporter contre lui et lui hurler « T'es vraiment maladroit, c'est pas croyable, on peut jamais manger sans dégâts avec toi ». Or, souvent, c'est sur ce ton que nous parlons à nos enfants, alors que chez eux, tout n'est qu'apprentissage et tout n'est qu'une première fois. Qui est maladroit à votre avis dans ces cas? Est-ce l'enfant? Ou est-ce l'adulte? Pourtant, tous les parents aiment leurs enfants et savent être bienveillants avec leurs collègues, avec leurs amis. Alors pourquoi pas avec leurs enfants? Qu'est-ce qui leur empêche? J'accueille Madame Agnès Piccini, psychologue de l'enfant et de l'adolescent, de la famille, pour nous éclairer sur ce sujet et nous partager les fruits de son expérience en thérapie familiale et en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Bonjour Madame Piccini. Bonjour Madame Piccini. Vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais vous n'avez pas l'air de m'entendre. Si, je vous entends très bien. Ça y est. Oui. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation et bienvenue dans Éclairage et Réflexion. Merci de m'avoir invitée. Madame Piccini, en tant que parent, nous n'avons tous plus ou moins connu des moments d'impatience ou d'agressivité avec nos enfants. Et parfois, on s'emporte au quart de tour. Tout le monde prend cher et puis une fois la scène terminée, on se déteste, on a honte et on culpabilise. Pourquoi nous agissons ainsi avec les êtres les plus chers à notre cœur, nos enfants? Pourquoi on agit comme ça avec les personnes les plus intimes? C'est parce qu'à ce moment-là, on est justement touché dans notre propre intimité. Et à cet endroit-là, on est piloté par notre côté sombre, ce qu'on appelle dans notre jargon psychologique nos zones d'ombre. Nos zones d'ombre, n'est-ce pas? Et donc, nos enfants, nos conjoints, les personnes les plus proches sont les plus amènes à aiguiser nos zones d'ombre. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par les zones d'ombre pour que nos auditeurs comprennent clairement de quoi on parle? Est-ce qu'il s'agit de l'histoire de notre petite enfance, de nos blessures émotionnelles?
Nos zones d'ombre, ça remplit différentes choses qu'on a du mal à voir par rapport à nous. Ça peut être reconnaître nos propres incapacités ou nos faiblesses. C'est la personne effectivement en nous qui est blessée. Mais dans nos zones d'ombre, il peut y aussi y avoir de très belles choses et d'éviter d'aller voir nos zones d'ombre, c'est nous éviter de donner le meilleur de nous-mêmes aussi. Et le plus souvent, quand notre zone d'ombre apparaît, comme on se met à crier sur nos enfants, et comme vous disiez tout à l'heure, la culpabilité du parent peut apparaître après, mais c'est important de reconnaître notre responsabilité dans la relation et on peut améliorer tout ça. D'accord, mais encore faut-il que l'on soit conscient qu'on a des zones d'ombre et qu'il faut aller les explorer. Et qu'on en prenne la responsabilité. Oui, c'est ma contribution dans la relation. Bah, c'est pas celle-là que j'avais envie de mettre et donner à mon enfant, mais c'est celle-là qui a émergé. Comment je peux faire avec l'accueillir au mieux et accueillir au mieux ma propre zone d'ombre, ça va m'aider à accueillir au mieux aussi les débordements émotionnels de mes propres enfants, qui sont les miroirs de mes propres débordements émotionnels aussi à certains moments. Donc, quand on crie sur les enfants, nous succombons à des montées d'émotions négatives qui sont liées à nos blessures ou à nos zones d'ombre, entre autres. Oui, et qui sont liés aussi à notre vie, à notre rythme de vie, à notre stress du quotidien qui vient appuyer sur nos failles. Et est-ce qu'il s'agit aussi d'une reproduction de schémas éducationnels reçus? Ça peut, mais pas forcément. C'est le plus souvent on dit ça, mais c'est pas de manière systématique qu'on est dans la reproduction en termes. En tant que parent, au contraire, pour ceux qui ont déjà une conscience de pas reproduire certaines choses, ils vont essayer de faire quelque chose de différent, mais qui va peut-être être l'opposé de ce qu'ils ont reçu, mais dans des extrêmes. Et que l'on utilise un extrême ou un autre, on va être dans des excès. Oui, tout à fait. Le juste milieu et l'équilibre qu'il faut trouver. C'est la voie qu'on cherche, qu'on est censé tous chercher, en tout cas au niveau de notre juste autorité. Oui, vous avez parlé de la prise de conscience justement, et dans ma propre expérience en fait en tant que coach, je vois qu'il y a des parents qui croient que c'est leur caractère et se résignent, et puis d'autres qui prennent conscience justement de la nécessité de se mettre en question et d'apprendre tout simplement à être parent et surtout à être un parent bienveillant, aimant, sécurisant, etc. Oui, du coup, est-ce qu'il arrive par rapport aux parents que vous recevez dans votre cabinet, par exemple, que vous rencontrez des parents qui se rendent vraiment compte qu'il s'agisse d'une zone d'ombre qu'il n'a pas encore explorée ou qu'il ne gère pas encore aussi bien qu'il le voudrait? Est-ce qu'il arrive que les parents, du coup, se rendent compte de cela? Alors, un certain nombre de parents qui consultent. Et je dirais, ce sont surtout des mamans qui sont dans la culpabilité d'avoir pas su gérer leurs propres débordements ou les débordements de leurs enfants. Donc il y a une certaine conscience de cela. Et dans d'autres situations, c'est le parent qui amène un enfant avec un comportement inadapté et qui me demande de remettre de l'ordre dans cela sans forcément s'être remis en question. Et là, mon travail à moi est d'aider le parent à prendre conscience de ce qu'il met dans la relation à l'enfant. Et comment, du coup, son attitude va aussi permettre à l'enfant d'avoir un comportement plus approprié et que ce n'est pas lié qu'à l'enfant. Ils sont réceptifs dans ces cas-là? Je dirais majoritairement oui, mais néanmoins, cependant, il peut y avoir des résistances à entendre sa propre responsabilité dans la relation. Et c'est, bah, Madame la psychologue, on est venu vous chercher pour remettre notre enfant dans le droit chemin, nous, ça va. Bon. Ça arrive aussi.
Alors, nous, notre objectif ici dans cette émission, c'est vraiment de ne pas culpabiliser les parents, parce que on sait tous qu'aucun parent ne veut faire souffrir son enfant, sauf si c'est un psychopathe, bien sûr. Mais et ce n'est pas de la faute du parent non plus. Il a sa part de responsabilité, mais il le fait pas exprès. Tout parent fait de son mieux au moment où le contexte se présente. Et d'ailleurs, ce sujet, moi, j'ai le sentiment de par ce que j'observe autour de moi, que c'est tellement tabou, les parents se sentent seuls en fait quand il y a des débordements excessifs au niveau des émotions, des cris, des hurlements. Il y a des parents qui n'osent pas en parler, ils se sentent seuls, ils ont peur du jugement de l'autre. Et c'est pour ça que, très honnêtement, j'ai choisi d'aborder ce sujet, c'est pour lever le tabou, pour ouvrir le débat et surtout le cœur des parents et les aider, sans les culpabiliser, à prendre conscience de leurs éventuelles parts, justement, dans cette situation éducationnelle qui vire au cri, à l'agressivité, qui, l'air de rien, peut avoir des conséquences néfastes sur les enfants. On va en parler justement, on va parler des conséquences après une courte pause musicale. Juste avant, mes chers auditeurs, si vous voulez poser des questions sur l'éducation bienveillante, sans cris ni agressivité, composez le 01 43 48 43 43. Nous sommes à vos côtés, comme je le disais tout à l'heure, pour vous apporter des éclairages et vous aider dans les aspects de votre vie quotidienne, bien sûr sans jugement, sans culpabilité, et Madame Piccini est là pour nous apporter son point de vue de psy, de spécialiste justement dans la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de la famille. Nous revenons après un petit break musical, restez à l'écoute. Merci Hamid de cette chanson de Nancy Ajram, Ya Benat, Ya Benat. Elle disait que les filles sont affectueuses, et moi je suis maman d'une fille et d'un garçon, mais je peux vous dire que les garçons aussi sont très affectueux. De toute façon, dans la vie, tout est amour, tout est tendresse et tout est affection. Donc bienvenue de nouveau dans votre émission Éclairage et Réflexion, et bienvenue à tous les auditeurs qui viennent nous joindre. Nous mettons en lumière aujourd'hui la question de l'éducation bienveillante, sans cris et sans hurlements, avec Madame Agnès Piccini. Je vous rappelle le numéro si vous voulez réagir sur antenne, 01 43 48 43 43. Donc, comme je le disais, avec nous tout au long de l'émission, Madame Agnès Piccini, psychologue des enfants, des adolescents et de la famille, qui nous expliquera à présent les conséquences des cris sur les enfants et sur les parents. Ensuite, elle nous donnera les clés pour tendre de plus en plus vers une éducation positive et bienveillante. Madame Piccini, la médecine a prouvé que crier après son enfant d'une façon brutale et violente, et surtout régulière, peut engendrer des conséquences sur son développement psychique et sur sa vie d'adulte. Est-ce que vous pouvez nous en donner les explications, s'il vous plaît ? Alors, de crier, que ce soit sur les enfants ou les adultes, ça a des conséquences en termes de stress au niveau cellulaire. Lorsqu'on est face à un enfant qui, lui, est en pleine croissance et développement, on va malheureusement, sans le vouloir, lui permettre de pas forcément bien se câbler au niveau des neurones sur les comportements justement qu'on attendrait de lui, et on va lui envoyer des messages où le corps va sécréter des hormones qui vont être de véritables poisons pour l'organisme. Et quand nous-mêmes nous crions après nos enfants, nous faisons le même mal, si on peut dire. D'accord. Il s'agit des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol, c'est ça ? C'est cela même. D'accord, ok. Oui, en effet, et puis si c'est fait de façon régulière, le corps n'est pas fait pour supporter de grosses productions d'adrénaline et de cortisol, et du coup, ça le met en état d'alerte permanent. Oui, et dans le pire des cas, on peut tomber malade. Oui. Et en fonction de nos faiblesses physiologiques, on va déclencher tel ou tel type de symptomatique. Oui, parce que le corps parle pour dire ce que les émotions n'osent pas dire. Oui, et c'est valable aussi pour le parent. Oui, tout à fait. Les enjeux pour l'enfant sont vraiment liés à en fonction de sa maturité, de son système nerveux et l'âge
auquel on lui crie dessus. Ouais. Heureusement que quand il est petit, il a une grande flexibilité aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut en profiter pour lui crier dessus. C'est sûr. J'avais lu une étude publiée par le journal Of Child Development, le développement de l'enfant, qui a expliqué l'impact des cris réguliers sur le développement des enfants. Il a été un peu plus loin que le stress. En fait, il a parlé même des effets justement de ce stress permanent causé par les cris. Il a dit que ces cris réguliers pourraient générer des sentiments d'anxiété et de déprime, où ils accélèrent en fait l'état, ils augmentent le risque de dépression, pardon. Et ils ont dit, Et ils pardon. augmentent aussi le sentiment de manque de confiance et la mésestime de l'enfant. Tout à fait. Ben, en temps normal, l'enfant devrait se sentir en sécurité avec ses parents, qui lui fournissent tout ce dont il a besoin pour mener une vie décente, harmonieuse et heureuse. Mais lorsque l'enfant subit les cris des parents, surtout s'ils sont réguliers, la peur s'installe. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Vous avez parlé d'un sentiment d'insécurité. Tout à fait. Et puis j'ai lu aussi dans la même étude, il parlait également de comportements en fait qui se développent chez l'enfant une fois adulte, c'est qu'il prend l'habitude de hurler après les autres parce qu'il croit que c'est la façon de s'adresser aux autres, ou alors il accepte qu'on lui crie dessus, même à l'âge adulte. Oui, c'est un comportement soit de soumission, soit de rébellion face à ce... Cette manière dont on est rentré en relation avec lui. Oui, très bien. Et puis du coup, les parents, dans ces cas-là, parce que vous avez dit que les cris sont néfastes également pour les parents, je suppose que les cris et les colères mettent leurs nerfs à rude épreuve. Tout à fait. Et du coup, comment cela se présente chez l'enfant? Pardon, le parent, on a parlé de la peur, du stress, de l'anxiété chez l'enfant ou de la reproduction du même comportement, sinon la soumission, une fois adulte. Et chez le parent, comment cela se manifeste, par exemple, sur sa santé, physique et psychologique? Bah dans les cas les plus extrêmes, on va arriver à des burn-out parentales où l'enfant met tellement à mal la relation avec le parent que c'est que le parent ne sait plus du tout comment s'y prendre avec l'enfant. Il peut essayer différents modes éducatifs et il voit que ce qu'il arrive à mettre en place lui-même ne marche pas. Souvent, on va passer d'un mode autoritaire à un mode plus laxiste et la voie du juste milieu, on n'a pas les clés, ou en tout cas, les parents actuels n'ont pas des stratégies pour arriver à poser justement cette autorité bienveillante et ferme en même temps, parce que dans l'éducation bienveillante, il est important aussi qu'on puisse poser un cadre et des limites à l'enfant qui vont l'aider à se sécuriser. Bienveillance, c'est aussi savoir dire non, mais avec un ton approprié et se mettre en relation avec l'enfant, connecter avec lui. C'est ce qu'on va considérer comme l'attitude bienveillante. Est-ce que vous pouvez nous raconter une expérience, par exemple, un exemple d'un cas concret, bien sûr, sans citer de nom, pour rapprocher l'image à nos auditeurs? Par exemple, je pense à une maman qui venait avec sa fille, qui est une jeune adolescente, qui était dans une phase plus de rébellion face à l'éducation de sa mère, qui était séparée de son père et le mode éducatif de la maman et du papa n'était pas les mêmes. Le papa était plus permissif et la maman plus dans des exigences que la jeune demoiselle ne tolérait pas. Et il y avait beaucoup d'emportement chez les deux, et les deux étaient à bout. Même si la jeune avait plus d'énergie encore que la maman. Et moi, ma fonction, c'est de remettre de la relation déjà, parce que
J'étais en face de deux personnes qui étaient blessées, et l'une et l'autre, à force d'attaques réciproques. Et nos mots sont comme des épées. Hein. Si on utilise notre épée de lumière pour devenir un guerrier lumineux, on va pouvoir poser des paroles qui sont fermes et bienveillantes. Mais le plus souvent, ce qui vient, puisque nous sommes, je considère qu'on est tous plus ou moins des handicapés au niveau de notre intelligence émotionnelle. C'est alors nos émotions qui nous pilotent et pas nous qui nous pilotons nos émotions. Et c'est là que mon travail intervient à aider le parent et l'enfant à monter son intelligence émotionnelle et à se centrer sur mais qu'est-ce que vous voulez dans la relation? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Oui. L'un comme l'autre, c'est pas de vous crier dessus que vous avez envie de vivre, c'est vraiment plus ce besoin de se sentir dans un lien positif et constructif. Alors, comment on arrive à cela? Et on est vraiment une réflexion de recherche de solutions. Et la recherche de solutions, elle va venir à la fois du parent et de l'adolescent. C'est important que chacun contribue à la recherche de solutions. Moi, je suis là pour guider les uns et les autres à trouver le chemin de la réconciliation qui sera plus efficace que mes simples conseils. Tout à fait, qui sera durable. Et en l'occurrence, ce qui avait été mis en avant, c'était un besoin de partager plus de moments ensemble. La jeune avait dit à sa mère, mais toi aussi, t'es tout le temps sur ton téléphone à la maison, je peux pas te parler. Et donc, ben, ils avaient commencé à mettre en place des sorties mère-fille et à retrouver un lien plus doux. Donc, au-delà des cris et des hurlements, il y avait un besoin de passer du temps ensemble, un besoin peut-être de partage, d'amour, de se sentir aimé, respecté, écouté. C'était au-delà, en fait, des cris. Les cris ont été peut-être le déclenchement, mais on a découvert qu'il y avait des besoins qui se cachaient derrière ce comportement, peut-être de fermeté un peu, enfin, perçu, comme exagéré par l'enfant. Oui, qui était plutôt du coup perçu comme un sentiment de rejet ou peut-être même de désamour avec ce niveau d'exigence, alors que c'était pour la maman une manière, et comme tout parent, je fais de mon mieux pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats à l'école, t'en sortir dans la vie, mais le côté affectif ne passait pas suffisamment dans le message. Oui, le message peut-être était dépourvu de symboles affectifs. C'est ça, c'était plus des règles et des exigences, et où est passée ma maman chaleureuse? C'est ça. Et vous avez justement cité cet exemple de mère-fille avec un père qui est plus laxiste, mais dont voilà le couple ne vit pas ensemble, enfin la famille n'est pas réunie. Et la question qu'on a, cette question, je l'ai reçue par email. C'est une personne qui se demandait quand il y a une scène justement de cri à la maison, comment le parent spectateur peut faire face au débordement de l'autre parent et comment en même temps il peut réagir avec l'enfant en question. Du coup, j'ai deux questions en une. Comment on réagit face à l'autre parent et comment on réagit face à l'enfant? Et votre exemple me suscite une troisième réflexion. Quand les parents sont séparés et qu'on trouve ce type de problème, comment on peut justement les gérer au mieux? Alors, pour répondre aux premières questions de manière groupée, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans une émotion, tous autant qu'on est, notre capacité à réfléchir n'est plus au rendez-vous. En général, je prends l'image du cerveau qui est mon poing dans ma main et je ferme la main autour de mon pouce. Quand je suis dans une émotion, les doigts du haut se soulèvent
et il reste au milieu mon pouce qui est le siège de nos émotions. C'est notre cerveau reptilien et comme son nom l'indique, à cet endroit de nous, nous sommes encore un peu des hommes de la préhistoire. Donc arrêtons de nous dire que nous sommes des hommes évolués. Quand je suis au cœur de mon émotion, là, j'ai perdu mon contrôle. Je suis pilotée par l'émotion. Je suis pilotée par l'émotion. Donc, si le parent qui est observateur, lui n'est pas encore, son couvercle n'a pas encore sauté, il est le seul à ce moment-là à pouvoir dire aux autres, aux parents qui crient sur son enfant ou qui a un débordement émotionnel des deux côtés, stop. La seule moyen de calmer la situation, c'est de poser un stop pour que de nouveau notre cerveau rationnel puisse se poser sur notre cerveau émotionnel et que là, on puisse rentrer dans le dialogue, parler à partir de ses ressentis, mais de manière posée et être à ce moment-là dans la capacité de réfléchir aux recherches de solutions de la situation qui est problématique dans le débordement. Mmh. Donc ça, là, il s'agit d'une astuce que vous donnez pour le parent qui vit la situation et qui est dans l'émotion. Qu'en est-il du parent, de l'autre parent, qui est présent mais qui est juste spectateur? Est-ce qu'il peut être acteur? Ou ce n'est pas recommandé? Le parent qui est juste spectateur, théoriquement, lui, il peut avoir la cocotte qui commence à bouillir aussi de voir sa famille dans cet état émotionnel. Mais à partir du moment où son couvercle n'a pas sauté, lui aussi peut dire stop, stop, arrêtez, vous voyez bien que vous êtes en train de vous énerver. Et l'important, c'est que on puisse faire une pause. Et moi, ce que je conseille, et je suis pas la seule à le conseiller à ce jour, si on écoute les dires d'Isabelle Filiosa ou de la discipline positive à laquelle je suis formée, c'est important que on aménage à l'intérieur de son espace un lieu qui est dédié à faire cette pause. Parce que le plus souvent, on dit, bon, ça va pas, va dans ta chambre, et on envoie nos enfants sur le cri de la colère, et ils vivent un peu ça comme une punition d'aller dans leur chambre. Non, l'idée, c'est, bon, ok, on est énervé, là, c'est pas le moment, pause, et va dans un endroit où tu vas pouvoir te détendre. Et on aménage le lit avec des coussins ou on aménage un lieu dédié. Aujourd'hui, au niveau du design, il y en a qui ont créé des petits tipis avec des couvertures et des coussins. Voilà, c'est très sympathique. On n'a pas forcément ni le lieu ni les moyens de le faire, mais l'idée, elle est là. Et pour le parent, pareil, peut-être que c'est pouvoir aller dans son canapé, peut-être que c'est pouvoir aller fumer une cigarette dehors, voilà, c'est pause. Celui qui a encore la capacité minimum d'être dans cette conscience de là, la mayonnaise monte, c'est pas la peine. D'accord. Donc, il est possible d'éduquer sans crier si on est en capacité justement de voir l'émotion arriver et être capable de dire stop, comme vous dites. Et ça, c'est déjà une astuce que vous donnez à nos auditeurs. Oui. Et on va continuer sur justement l'éducation sans cri. Vous voulez ajouter quelque chose? et avec mon symbole du poing dans ma main, c'est aussi un des signes que j'invite les parents à faire, puisque à ce moment-là, on est dans la communication non verbale. C'est je prends mon poing dans ma main et j'ouvre le couvercle et ça veut dire là, stop, on est en train de rentrer dans le débordement. C'est le message visuel pour arriver à poser plus facilement aussi le contexte. Et puis le message aussi symbolique du tipi, si on peut rentrer dans son petit tipi pour aller dans l'intérieur de soi et ne pas être pollué par tout ce qui est extérieur, donc la bêtise de l'enfant ou le stress qu'on ramène parfois du travail, de l'extérieur, etc. Donc nous allons voir tout cela en détail et nous allons parler d'astuces pratiques pour éviter les cris à la maison.
Notre sujet du jour, c'est l'éducation bienveillante et l'éducation positive, l'éducation sans cri, sans agressivité, avec fermeté, mais avec amour et bienveillance. Avec notre spécialiste Agnès Piccini, je vous rappelle le numéro, si vous voulez enrichir le sujet avec vos interventions, c'est le 01 43 48 43 43. Restez avec nous, nous allons revenir après une petite chanson par Hamid. Chers auditeurs, nous sommes de retour sur Radio Soleil avec notre invitée, Madame Agnès Piccini, psychologue des enfants, des adolescents et de la famille. Notre éclairage aujourd'hui est autour de l'éducation bienveillante. Est-ce que vous criez sur vos enfants? Ça vous arrive? Enfin, quand même, hein, j'aurais du mal à croire que ça n'arrive à personne. Est-ce que c'est tous les deux parents qui crient ou juste un des deux, comme on a vu dans les exemples cités précédemment? Comment vous gérez justement les situations de crise quand les enfants ont des comportements que vous jugez d'inadaptés? Quelles sont vos réactions? Partagez avec nous sur le 01 43 48 43 43. Avant de passer aux clés, aux astuces d'une éducation positive, nous allons prendre un appel et avec nous Madame Asma. Bonjour. Allô, bonjour. Je vous remercie encore pour votre émission. Je remercie la radio. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Et je remercie aussi Agnès Piccini parce que voilà, bah, c'est Agnès Piccini, c'est tout ce qui m'a manqué en fait dans mon parcours de soins. Avec parce que moi j'ai un enfant qui est hyperactif, qui est TDAH. Voilà. Et en fait j'ai fait appel moi-même parce que je criais trop, j'étais dépassée, je savais pas comment réagir, donc j'ai fait appel à un psychologue, et alors plusieurs intervenants, hein, orthophonistes, psychomotriciens et tout, mais j'étais en manque tout le temps, j'étais en manque par rapport, je savais pas ce qui me manquait dans l'aide. Mais vous étiez en manque d'outils pratiques pour régler les situations, Asma, et si vous pouvez juste parler un tout petit peu plus fort pour que le son soit clair. D'accord, j'étais en manque en fait d'outils pratiques. Voilà. Oui. Pratique et voilà, et là, mais ne serait-ce qu'une écoute et ne serait-ce qu'un répondant. Et là, tout ce que j'ai entendu, l'intervention d'Agnès, là, voilà, c'est tout ce qui m'a manqué, franchement. Voilà. Et je sais, alors j'ai entendu parler de discipline positive. Agnès a mentionné ça, j'aimerais en savoir plus. Est-ce que vous avez du coup une question plus précise à lui poser? Comme ça, comme je disais, l'émission, son objectif, c'est justement d'aider les parents. Et comme ça, on peut répondre à un besoin bien précis. Si ça peut vous aider les auditeurs qui nous écoutent, ça serait génial. Alors, mon besoin précis, bah, c'est toujours dans l'amélioration, en fait, le souci d'amélioration, d'échange, en fait, avec mon enfant. Qui a aujourd'hui 14 ans, c'est ça? Oui, là, d'accord. Alors, évidemment, c'est toujours... c'est pas... Il n'y a rien de réglé, hein. L'enfant, c'est pour la vie, quoi. Donc, Et oui, il est en plein adolescence, là. Et les changements hormonaux, ouais. Et tout ça, et c'est pour ça, bon, moi, le besoin, je sais pas, moi, je serais plutôt en recherche d'ateliers pratiques pour les parents. Et voilà, quoi, c'est pour ça que j'appelais aussi pour en savoir plus par rapport aux ateliers que propose, j'ai entendu parler de discipline positive. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Très bien. Je vais laisser Madame Piccini vous répondre et pour ma part, je vous remercie Asma parce que vous avez soulevé un problème que nous n'avons pas encore abordé dans cette émission qui est consacrée aujourd'hui à la parentalité positive. C'est les enfants atypiques, les enfants différents. Vous avez parlé d'hyperactivité, de TDAH. C'est vrai qu'on parle de façon plus globale sur une famille, tout ce qu'il y a de plus simple et de plus courant. Mais c'est vrai que la tâche est encore plus lourde pour les parents quand il y a un enfant qui est différent ou ce qu'on appelle les enfants atypiques. Je vais passer la parole à Madame Piccini. Je vous remercie Asma de votre appel. Restez à l'écoute, elle va vous répondre. Merci Asma. Très bonne journée, merci de votre appel.
Donc Agnès, je vous laisse le micro, à vous la parole. Oui, merci Asma pour cette intervention sympathique au regard de mes propositions qui sont juste pour le moment des petites pistes à mettre en place. Je dirais que le plus gros du travail à faire avec nos enfants, le plus gros de mon travail à faire avec ma patientèle aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur c'est quoi les émotions, c'est quoi le sens des émotions, comment on apprend à être en tant que parent déjà bienveillant avec nos propres émotions. Et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la colère, mais il y a aussi toute la palette des émotions qui est bien plus vaste, avec laquelle on est, je disais tout à l'heure, tous, de mon sens, plus ou moins handicapés de nos émotions. Quand bien même je suis psychologue, moi aussi, les émotions, elles arrivent, elles peuvent me déborder aussi, même si j'ai cette conscience plus vive de savoir pourquoi mon émotion est là et comment je peux arriver à poser plus facilement les choses, c'est pas tout le temps facile non plus. On a en tout cas, de mon point de vue, 4 émotions fondamentales qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et toutes ces émotions, on voit qu'il y en a une qui est agréable à ressentir, la joie. N'est-ce pas? La joie qui, de mon sens et dans ma pratique thérapeutique, est vraiment l'éducation à la joie. Et c'est ce que devrait pouvoir permettre notre manière d'éduquer avec bienveillance et fermeté, développer la coopération chez nos enfants, leur sens des responsabilités, et faire que notre système familial fonctionne comme une petite entreprise qui est florissante. Et donc vraiment, plus on va pouvoir cultiver la joie au sein de notre famille en encourageant nos enfants avoir des comportements adaptés, plutôt que de focaliser sur leur comportement inadapté. C'est un de nos manières de faire aujourd'hui. On est focalisé beaucoup plus problème que solution. Et à force de parler des problèmes de notre enfant, c'est toujours dans notre vocabulaire. On lui dit toujours « t'es fainéant et les messages qu'on envoie sont l'inverse de ce que l'on veut produire chez eux. Devenons conscients que il est important, j'ai envie que mon enfant développe une capacité à l'effort, aidons-le à cette capacité à l'effort. Encourageons ces zones de progression plutôt que de lui montrer « Ah bah voilà ton bulletin de notes, voilà, tu as eu que 5 en mathématiques. » voilà. Et regardons que la dernière fois, il avait eu 4. Bon, cette fois, il y a eu un progrès. Donc, on va vraiment encourager l'enfant. C'est comme mettre de l'eau à une plante, c'est ce qui va l'aider à grandir. Valoriser ses qualités et ses efforts au lieu de critiquer les manquements. C'est ça. Et lui dire, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu peux être fier de toi. Là, tu as mieux travaillé, tu t'es plus impliqué, d'accord, tu n'es pas encore arrivé à avoir un résultat qui, pour nous parents, pourrait être le résultat attendu, mais on constate que tu es en chemin. Quand vous dites cultiver la joie, est-ce qu'on peut dire que l'humour est une astuce pour justement gérer des situations difficiles au niveau de l'éducation et de la parentalité? Tout à fait, c'est une excellente stratégie pour dévier l'émotion qui est en train de monter négativement. Et voilà, on va apporter une note d'humour et on va faire baisser tout ça et puis on va rigoler, et si on rigole, on va sécréter, là pour le coup, les hormones sympathiques à l'intérieur de nous, on va favoriser la dopamine, donc l'hormone du plaisir, et ça va devenir plus tempéré pour
les uns et les autres. Plus cool, comme disent les adolescents. Plus cool. Et même, paradoxalement, ce que je conseille aux parents qui viennent me voir, surtout quand c'est des jeunes enfants, mais même avec des enfants plus grands, c'est très bien aussi. Après, ça dépend l'âge. Mais je suis en train de m'énerver après mon enfant. On est en train de pas se comprendre l'un et l'autre. Ok, j'ai l'intelligence de m'en apercevoir. Je dis stop et... si c'est un jeune enfant, je vais me mettre à son niveau et je vais lui ouvrir mes bras. Il est en train de crier et pleurer. Ah, je lui offre ma chaleur et viens, on fait un câlin. Et le câlin, il va nous permettre à l'enfant et aux parents de sécréter l'ocytocine qui est, elle, l'hormone de l'amour et qui détend le corps. Et qui détend l'esprit et qui va permettre de renforcer notre base de sécurité au niveau psychologique et nous, notre conscience d'être un bon parent. Et oui, parce qu'on parle de l'éducation positive, on a parlé tout à l'heure de la réaction du cerveau en construction de l'enfant à une éducation basée sur l'écrit. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à contrario, justement, le cerveau humain, quand il reçoit une éducation empathique et respectueuse, ça lui permet de se développer de façon optimale. Oui. Et nous en sommes, je dirais, qu'au début de ce type de mode d'éducation. Et je pense que dans l'avenir, plus on va diffuser ces pratiques éducatives, plus on va voir que les potentialités de nos enfants vont nous surprendre. Oui, tout à fait. Et puis, je reviens au témoignage d'Asma. La tâche, elle est encore plus difficile, je pense, pour des parents qui ont des enfants atypiques. Elle a parlé d'hyperactivité, de TDAH. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces parents pour les aider ? Le TDAH est quelque chose qui est particulier dans le système, qui est une incapacité physiologique de l'enfant à pouvoir gérer ses propres débordements, d'où l'importance d'avoir un parent à côté qui va avoir les reins solides pour pouvoir arriver à rester au plus calme et aussi à comprendre que dans le mode de fonctionnement de l'enfant en face, il n'est pas là pour faire exprès d'être dans le débordement, que lui-même, il n'a pas le mode d'emploi et même s'il vient activer nos propres débordements, il y a vraiment besoin dans ces systèmes familiaux, encore plus que pour les autres parents, pour les parents de prendre soin d'eux, d'être plus conscients de fait qu'ils ont besoin de faire des pauses et des pauses en dehors de leurs enfants, comment ils peuvent faire en sorte que les enfants soient gardés par les grands-parents ou par des frères et sœurs pour que vraiment, vraiment, on arrive à souffler. Il y a besoin vraiment de plus d'espace relationnel dans ce type de relation compliquée, parce que sinon on est vraiment l'un sur l'autre, on se fait du mal les uns les autres et l'enfant en pâtit encore plus et le parent également. Et puis peut-être ne pas oublier qu'un enfant, il a un comportement d'enfant, il a un cerveau qui est immature et par conséquent, il ne peut pas gérer ses relations seul, il a besoin d'être accompagné, d'être aidé et donc il ne fait pas de caprices comme j'entends beaucoup de, enfin je le dis entre guillemets, parce que j'entends beaucoup de parents parler comme ça de leurs enfants, il ne le fait pas exprès, il a du mal à gérer son émotion, il faut l'aider et aussi il faut séparer l'enfant de son acte. L'intention de l'enfant n'est pas de nuire aux parents, mais peut-être d'exprimer un besoin de repos, un besoin d'affection. Selon l'âge de l'enfant, ça peut être exprimé, enfin ce besoin peut être exprimé par des comportements jugés comme des bêtises de la part de l'adulte. Tout à fait, ce sont des comportements qu'on considère inadaptés, mais parce que l'enfant, il n'a pas la bonne grille de décodage, et du coup, le parent, il n'a plus la bonne grille de décodage non plus. Et mon travail aussi, c'est d'arriver à remettre du sens sur tout ça.
pour que la compréhension réciproque se fasse. Pourquoi un enfant va avoir besoin d'accaparer toute l'attention et que du coup il irrite les parents et les agace à leur couper la parole? C'est vraiment que il a le sentiment de pas compter assez, donc c'est il prend pas toute la place, il n'existe pas. Donc comment on peut lui redonner ce sentiment d'appartenance et comment on peut le valoriser? Même si nos enfants nous en demandent beaucoup là-dessus. Très certainement. Alors, le temps passe très très vite quand on a un sujet aussi passionnant et aussi important. Il est bientôt la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez donner aux parents quelques astuces très pratiques? Vous avez déjà parlé de la gestion de l'émotion, de l'astuce du pouce et de la main, du tipi, de l'humour. Est-ce que vous pouvez donner d'autres astuces très pratiques pour gérer, par exemple, une situation de crise aux parents? Le câlin, honnêtement. Et le câlin, oui. On se met au niveau de l'enfant et on lui ouvre les bras. C'est le paradoxe de la relation en général, mais qui marche très très bien. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle les neurones miroirs. Donc toutes les attitudes que l'on a en tant que parent vont être reproduites par l'enfant. Donc si on lui montre aussi notre capacité, lorsque on a crié après lui, et de venir le voir et en lui disant « Excuse-moi, mon fils, ma fille, je t'ai crié dessus tout à l'heure, j'étais énervée, pardonne-moi. » Et puis là, on en profite pour faire le câlin. Et puis, on peut après, en fonction de l'âge de l'enfant, discuter à « Bon, comment on va faire la prochaine fois par rapport au fait que là, tu as renversé tous les jouets dans le salon et que quand je rentre à la maison, juste, je marche dessus et je me suis fait mal aux pieds. » Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se recommence pas? Donc, l'associer à la recherche de la solution. C'est ça. Ok. D'accord. Très bien. Est-ce que vous pouvez, là, pour le coup, c'est très pratique aussi, juste donner aux auditeurs votre adresse ou vos coordonnées pour qu'ils puissent faire appel à vos services si jamais il y a des auditeurs qui sont dans le besoin, et j'en profite pour nous excuser auprès des auditeurs qui sont en attente. Nous arrivons à la fin de l'émission et nous ne pouvons plus prendre d'appel, mais nous vous laissons les coordonnées de Madame Piccini, puis vous avez aussi mes coordonnées si vous avez des questions à nous poser hors antenne. On vous écoute, Madame Piccini, pour vos coordonnées. Je consulte dans le Val d'Oise, sur Saint-Prix. J'ai aujourd'hui mon planning qui est accessible sur Doctolib. Il suffit de taper Doctolib et Agnès Piccini, pays de CINI, et vous aurez toutes les informations utiles me concernant. J'ai aussi une page Facebook et d'autres choses sur les réseaux sociaux. Avec mon nom, prénom, vous avez trouvé pas mal d'informations à mon propos. Merci beaucoup, Madame Agnès Piccini, de vos conseils, de votre participation qui nous a éclairés en matière d'éducation positive et bienveillante. Nous vous donnons rendez-vous, mes chers auditeurs, à 20h ce soir pour la rediffusion de ce numéro. Sinon, vous pouvez l'écouter en podcast sur la chaîne YouTube Coach Fédois et le Capsi, quand bon vous semble. Mes chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission. J'espère que vous avez trouvé des astuces, des clés et des outils pour vous aider à avancer, à agir. Je répète encore que l'idée n'est pas de culpabiliser les parents. Les parents font de leur mieux pour offrir le meilleur à leurs enfants. Nous restons des êtres humains. Nous nous laissons déborder par nos émotions parfois. Et c'est OK. L'idée, c'est quand on a des outils, c'est de les utiliser pour avancer vers une vie bienveillante, une vie harmonieuse. Car je suppose que tout un chacun a envie de vivre de l'harmonie, de l'amour et de l'affection dans son foyer et pas les cris et l'agressivité. Donc je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour de nouveaux éclairages et de nouvelles réflexions. Cette fois-ci sur les nouvelles addictions. L'une des nouvelles addictions, c'est les écrans. Quand les écrans se transforment en danger pour nos enfants, c'est le sujet de notre prochain numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas que personne ne n'est parent, on apprend à l'être. Je vous souhaite un bon cheminement et une excellente semaine à toutes et à tous, et un bon lundi de ma part et de la part de Hamid. À bientôt.